push me off the deep end just to see how I swim. Keep my head above water or will I give in? Sink to the bottom, no breathing. Yeah. Push me off the deep end. Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, on se retrouve pour ma night routine. Je vous avais fait il y a quelques temps ma morning routine, je vous la mets dans le petit i. Et il est temps de passer à ma petite night routine. Je viens de rentrer de la danse, il est 20h15. Je vais aller manger d'abord et on se retrouve après pour cette petite routine. My oh my, say you're thinking life is beautiful. It's been a while since I've been to a funeral. My, oh my, city thinking life is beautiful. The breeze is calm, got me feeling too invincible. Oh, so I mess it up a little, cause it's all I know. Then I swim in the afterglow. J'ai pris mon pige, let's go à la douche. En plus ce soir je me lave les cheveux en voyant la salle de bain comme ça. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je crois que c'est celle qui était avant. Si vous n'avez pas vu ma vidéo rangement salle de bain, je vous la mets dans le petit i. Parce qu'on a tout refait là. C'est trop génial, j'adore. Mais bref, allez voir, au moins vous verrez vraiment. Là je vais pas vous montrer. Je vais à la douche, je me lave les cheveux et je vous retrouve après. A few moments later. Je sors de la douche, je me suis lavé les cheveux. Je suis encore en serviette, mais je voulais juste vous montrer les produits que j'ai utilisés. Pour les cheveux, j'ai utilisé la gamme Instacure de chez Matrix. C'est soit Herbal Essence que j'utilise, que j'adore, soit ça que j'avais reçu pour une collab pour TikTok. Je crois que c'était TikTok. Bref, j'adore cette gamme et c'est soit ça là, soit ça là. Je me suis lavé le visage avec ça, du Shiking. J'avais eu ça dans une box et vous voyez, je l'ai quasiment fini, mais je le finis vraiment jusqu'au bout. Et pour le gel douche, si ça vous intéresse, j'ai pris celui-ci pour aujourd'hui, le Nature et moi. Donc le gel douche des îles, voilà. Je vais me mettre en pyjama et je vous reprends pour la skincare. C'est bon. Je vous retrouve avec mon magnifique pyjama pouf souffle. Du coup, je me suis lavé les cheveux là-bas. Je voulais me faire des tresses après, mais je pense pas. Je suis éclatée. Donc je pense que les tresses, je les ferai demain. C'est pas grave. Là, je vais les laisser sécher comme ça dans la serviette pour l'instant, pendant le temps de ma skincare. Et ensuite, je vais finir avec le sèche-cheveux. Je les brosserai dans la chambre. Et voilà, c'est tout ce que je leur fais pour ce soir. Mais je vais pas les sécher complètement. Juste pas qu'ils soient trempés. Mais je vais les laisser légèrement humides. Et là, on va faire la skincare. Première chose, c'est ça. C'est de l'eau à la rose. Je vous montre celle de chez Sanoflore parce que c'est le... Je l'ai remis là-dedans. Mais c'est pas du Sanoflore à l'intérieur. Parce que j'en avais un autre dans le placard. Donc il fallait que j'utilise. Et c'était celui-là. Celui-là que j'avais trouvé en Italie. Et qui fait, ma foi, très bien l'affaire, mais que j'avais pas payé cher du tout. Ensuite, j'enchaîne avec ça de chez Aromazone. C'est un sérum
au collagène vegan. Donc c'est un nouveau produit qu'ils ont depuis pas très longtemps, je crois. Enfin là, ça commence à dater parce que je l'ai acheté avant Noël, il me semble. Et je crois qu'ils venaient de le mettre. Je mets 5 gouttes, je mets sur les deux mains et j'y vais. J'applique toujours toutes mes crèmes vers le haut, comme ça, pour remonter la peau, même si là c'est le soir. Je le fais quand même. Et ensuite, je finis par une hydratation intense avec celui-ci pour l'instant. C'est le baume Rosa Fresca de chez Sanofleur que j'avais reçu. Parce que j'avais participé à un live avec la marque. C'était un truc consommateur, je sais plus quoi. Je sais plus si j'avais gagné ma place pour le live ou j'en sais rien. Et ils nous avaient envoyé à tous un petit colis. Donc trop cool. C'était pour les clientes fidèles, je crois. Ou un truc dans le genre. Et du coup, j'avais reçu le colis avec ça. J'avais eu une eau à la rose, mais légèrement arrangée. Et on avait eu une petite bougie. Et je sais plus, 2-3 autres trucs dedans. Et ça, c'est une spatule que j'avais eue dans un autre pot de crème. Et j'ai plus la crème. Et du coup, je m'en sers pour récupérer mes crèmes. C'est très pratique. Ça, j'essaye de faire très attention de ne pas en mettre trop près des yeux. Parfait. Et je vais mettre ça. Je sais pas si ça focus. Non, ça focus sur moi. Ça, donc c'est de chez Sanofleur aussi, et c'est le SOS Magnifica pour les petits boutons. Et je vois que j'en ai un près de la lèvre, donc je vais en mettre un petit peu. Normalement, je mets vraiment un paquet dessus, mais là, vu que c'est la lèvre et que après je vais boire mon thé. Quand j'étais sous la douche, je me suis brossé les dents, donc ça c'est bon. J'ai juste pas mis ma crème sur le corps ce soir, mais là en ce moment, j'utilise celle-ci de chez Nivea, donc c'est une crème pour tout le corps hydratante. Mais là, j'avoue, ce soir, je ne l'ai pas fait. Mais en général, j'essaye de le faire. Je remets la montre. Je mets mes lunettes. Non, je ne mets pas les lunettes d'abord. Je vais me sécher les cheveux. My, oh my city, thinking life is beautiful. It's been a while since I've been to a funeral. Maintenant, c'est le moment de la détente. Un plan bizarre. Je suis dans mon lit, je me suis fait ma tisane comme vous pouvez le voir, et donc là je vais faire ma to-do list pour demain, chose que j'aime beaucoup faire parce que ça permet vraiment de quand on se lève on sait déjà ce qu'on a à faire, on se couche avec beaucoup moins de charge mentale, etc. Ça aussi je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, c'est les 10 conseils dans les 10 techniques pour mieux gérer son temps qui est juste là. C'est vraiment quelque chose que j'essaye de faire au quotidien parce que vraiment ça m'aide beaucoup. Et ensuite, je vais remplir mes petites gratitudes du jour. Je vais vous montrer le carnet. Là-dedans, c'est un truc qu'on m'a offert
que ma nénette m'a offert plutôt pour mon anniversaire. Donc Gratitude Journal, il vient de chez Emma et il se présente comme ça. Voilà, il y a plein de petits trucs à remplir. Et ma maman, là, il y a ce week-end, je crois, m'a donné ça. C'est le Mon Journal d'éveil par Mathieu Joncourt aux éditions Grand Cher. Je connais pas du tout. Et c'est pour s'explorer soi-même. Donc je pense que je vais faire ça ce soir. Mais on se retrouve après, donc la tout doux et le petit remplissage de cahier. You defend time, 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 time again. Some wounds they never seem to mend. Time again, time again, with every hand that you extend. Pennies that you lend. Time, time, time. Time, time, time. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Time, time, time. Oh. Jean Colgan, je l'ai commencé il y a un moment, mais j'avoue, je n'arrive pas à lire tous les soirs parce que y a des fois où je m'endors, mais le but étant de le terminer assez rapidement quand même. C'est aux éditions Pocket et j'aime beaucoup, 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 beaucoup ce livre. Vraiment, je trouve que c'est une petite pépite. Et au-delà du fait que c'est pour Noël, je trouve que ça va, c'est pas trop choquant que ce soit pour Noël. C'est juste un petit livre réconfort, je trouve, très cool. Et je vais vous laisser là parce que à tout moment, je peux m'endormir. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé cette petite night routine. N'hésitez pas à me dire ce que vous faites pendant votre night routine en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.